Alors, dans cette vidéo, on va revoir les notions de atomes, molécules, éléments et composés. Donc, dans un premier temps, on va prendre un modèle atomique courant qu'on appelle le modèle atomique de Dalton, qui est un scientifique qui avait relancé un peu le concept d'atome. Alors, on va prendre son modèle qui est assez simple. On voit ça comme une petite boule indivisible, donc on ne peut pas séparer, et on l'appelle atome. Si vous avez le même élément chimique, vous avez donc le même atome et vous aurez donc les mêmes propriétés. Ben, dans un même sens, euh, si on a des éléments différents, on a un élément différent. Donc, c'est parce qu'on a des atomes différents et on a des di propriétés différentes. Euh, par exemple, de l'oxygène et de l'hydrogène n'ont pas les mêmes propriétés. Alors, si on prend une petite définition de l'atome, c'est la plus petite particule en laquelle un élément peut être divisé par des moyens chimiques. Donc ça veut dire que si vous prenez quelque chose de plus compliqué, vous allez le séparer, bien, à un moment donné, on arrive à l'atome et on ne peut pas aller plus loin au niveau des séparations. Alors quand on parle de moyens de séparation, on va en voir juste quelques-uns, plus pour votre information. Exemple, on peut séparer des éléments par électrolyse de l'électricité ou pyrolyse du feu. Faire brûler une feuille de papier, finalement, c'est faire de la pyrolyse. Au niveau physique, il y en a beaucoup plus. Euh, on ne les verra pas toutes. juste vous montrer quelques-uns. L'évaporation, donc, si vous prenez de l'eau salée ou le faites évaporer, ben, votre eau va être séparée, le sel va rester dans le fond. La filtration, centrifugation, donc, de faire tourner quelque chose très rapidement. Et la distillation, qui est utilisée beaucoup pour, pour euh, l'alcool. Alors, la molécule. La molécule, c'est quand on a deux ou plusieurs atomes liés chimiquement entre eux. Les atomes n'ont pas besoin d'être différents. Alors, exemple, si je prends O2, mon élément chimique, c'est O. J'ai deux atomes d'oxygène qui sont liés comme ça. Alors, dans le tableau périodique, je le vois, là, j'ai mon symbole chimique. Je pourrais avoir deux atomes différents, par exemple de l'eau, H2O. Alors, là, j'ai deux atomes de H qui sont liés chimiquement à un atome d'oxygène. J'ai toujours une molécule ici. J'ai mis les cases du tableau périodique ici pour montrer que les deux éléments chimiques qu'on a utilisés, c'était H et O. Un élément. Alors un élément, souvent on pense que c'est un, juste une case du tableau périodique. Oui, mais ils peuvent avoir plus d'un atome. Donc c'est formé d'une seule sorte d'atome, mais il peut avoir plusieurs atomes. Donc par exemple MG, j'ai juste mis une boule. Ici, faites attention, on met le symbole chimique dans la boule, mais bon, le symbole chimique, généralement, on ne met pas dans la boule. C'est quand même plus facile, des fois, de reconnaître nos atomes. Euh, pour l'oxygène, alors, O, oh, je l'ai deux fois, mais c'est le même atome. Et, par exemple, pour du soufre, on en a six qui sont groupés. Mais l'important, c'est que c'est une seule sorte d'atome. Alors, euh, un petit peu plus de définition ici, là. On a un élément, c'est une substance qui ne peut être séparée en d'autres moyens. En d'autres substances, pardon, par des moyens qui soient chimiques ou qui soient physiques. Donc, ça ne se dissocie pas. Finalement, bon, le composé, c'est formé d'au moins deux sortes d'atomes. Donc là, on a le mot sorte qui fait une différence et on ne peut séparer les atomes par des moyens chimiques. Donc, si on peut les séparer, par exemple, H2O, ben on prend des moyens. Souvent, pour l'H2O, c'est l'électrolyse qu'on prend. On coupe ça et on va se retrouver avec nos atomes. Euh, regroupé en éléments. Donc j'ai mon composé que je retrouve somme d'éléments ici. Alors si on se fait un petit rappel de tout ça, alors un élément, on a un ou plusieurs atomes mais ils doivent être identiques, alors comme Mg ou O2, puis on ne peut pas le séparer. La molécule a un ou plusieurs atomes qui soient différents ou non, donc O2H2O. Est-ce euh, qu'on peut le séparer ben, si c'est un composé, oui, et si c'est un élément, non. Composé, on doit avoir au minimum deux atomes différents. Par exemple, CH4, j'ai le C et le H qui sont deux atomes différents. Et je peux les décomposer par des moyens chimiques. Alors voilà pour la récapitulation.